Bonsoir YouTube, on est parti donc pour cette soirée découverte. Découverte de Theme Park donc. Theme Park donc un très vieux jeu développé en 1997 je crois. Et voilà donc un jeu de gestion, l'ancêtre on va dire de Planet Coaster par exemple sur la chaîne ou d'autres hein, très très vieux jeux qui a beaucoup inspiré tous les jeux suivants sur la gestion de parc et autres. Âge. Ah, attendez. Oui, faut pas que j'utilise ce raccourci-là. Hop. Voilà. 27. Home, Indie Land. Ça c'est fait. Sandbox, on va mettre full simulation, niveau de simulation. On va voir ce que ça donne. Attendez, est-ce que j'ai bien. Oui, c'est bon. Bon, a priori, il ne doit pas y avoir de musique à ce moment-là. Donc ça, c'est bon. Park Visitors, Average, Fussy ou Happy. Moi, j'ai mis Average, on verra. Start Level, ouais, Medium, hein, on va pas mettre trop Easy non plus. Même si c'est un vieux jeu, donc faut se méfier. Le Easy peut être normal pour nous actuellement. On va se méfier. Opponents, alors je sais pas ce que c'était. Il y a des opposants, enfin des concurrents de d'autres joueurs, entre guillemets. J'ai mis All, on verra si c'est plutôt 4 qu'il faut mettre. Au pire, on perdra et on recommencera du coup. Opponent's Level, on va mettre en Medium, pardon. Et First Game, j'ai mis oui parce qu'on va peut-être avoir du coup une espèce de tuto. Et ça pourrait être utile pour nous. Donc là, voilà, on a donc des sélections de. On choisit où est-ce qu'on veut mettre notre parc. On a un budget donc, qui ne se voit pas forcément, mais c'est 150 000 ici. Et le problème, c'est que la plupart coûtent très cher, 2 millions, 2 millions également. Ici, on est à 3, 7 millions 5, 9 millions, 10 millions. Les États-Unis, Los Angeles, New York, c'est très très cher. 1 million 5, 1 million 8. Bref. Du coup, on n'a pas trop le choix en fait. Celui-ci en Angleterre coûte 0. Au Royaume-Uni, ici, c'est 300 000. Mais c'est pareil, on est déjà trop loin de notre budget. 712 millions, la vache. 20 millions au Japon. Bref, du coup, même en France, on est à 5 millions. Donc voilà, on va prendre United Kingdom. Local population, 55 millions de personnes. On a plein de détails. Weather, rainy, stormy. Il pleut, il y a des tempêtes. Donc, on est parti. Oui, on est parti, j'ai dit. By land. Ah, voilà. Ouais, go. Ok, allez. Ah, voilà. Ok. Welcome to Theme Park. I'm going to take you on a quick tour. Il n'est pas en français, normalement. Je crois que GOG l'a mis en français, il me semble. First, we must lay down a pass. Ok, donc faut créer un. From. Ok. Voilà. D'accord. Donc là, on a fait un chemin aller, un chemin, enfin entrée et sortie. Maintenant, Pounty Castle, donc c'est les châteaux gonflables en fait. Ils coûtent 2 000 quand même. Là, c'est notre budget, on est déjà à 100 000. Waouh. Donc ça, c'est quoi? Ça doit être l'entrée donc. Conseil de le mettre en bas. On peut pas pivoter, non, on va le mettre comme ça alors. Et ça, c'est quoi l'entrée du coup? Ok, c'est perturbant les trucs qui clignotent. Ok, donc là maintenant. Wow, now place the queue down from here. Ok, la file d'attente. Donc ça, c'est l'entrée. Et donc il faut un chemin tout simple pour la sortie. Donc ça c'est même principe que Planet Coaster par exemple. On voit que les idées sont là déjà à l'époque. On a une file d'attente spéciale et une sortie classique pour les attractions. Donc là on a le Mister Whippy. Donc c'est un stand de glace qui coûte 2000, 25 dollars de prix de vente, stock price 20. On va le mettre ici. Place the shop down here.
C'est ce que j'ai fait là. Ok. Il y a déjà quelqu'un dedans. You will notice that there are some people outside your park. So open the gates by pressing O. Incroyable. Le parc est ouvert, ça y est. Donc là, on va engager du personnel, évidemment. On a les animateurs, le réparateur. Ah non, ça c'est le nettoyeur, pardon. Ouais, c'est le technicien de surface. Et le mécano. Donc là, nous, on nous dit de prendre... Prendre qui? Hire staff... Open staff... Bon, on va prendre un nettoyeur, déjà. Important... Le jeu va vite. Je pensais pas qu'il était aussi, aussi rapide. On va prendre un check. Bon, on va prendre un animateur aussi, alors. Entertainer. C'est bon. Overland charts. Ok. Ouais, je connais DJ Kex. Je connais, il est sorti il y a pas très longtemps. Bah c'est par les gars de... Il y a des gars de Bullfrog, il y a des gars de quel team aussi? Je sais plus, il y a... Enfin, il y a... Attends. Oui, si, c'est ça, je crois que c'est des gars de Bullfrog et d'autres... Mais oui, je connais le jeu, ouais. J'aimerais bien le prendre, mais... Oula! Qu'est-ce qui se passe? D'accord, le gars est en train de le réparer. Le truc prend feu. Ça, c'est quoi? Place the Charman down here. C'est quoi ça? Ah mince, j'ai recruté trop vite, je crois. Le gars il est en train de se faire. Comment on fait pour virer quelqu'un? Non, on peut pas. Sharkman. Je sais même pas comment on fait pour... Bon, on va en recruter un deuxième, on va le placer là. You may have noticed that the little people are dropping litter, putting down a handyman. Oui, mais... Ah d'accord, j'ai tout recruté trop vite en fait. Très bien, bon, on aura deux de chaque. Faut que je mette où? Ici. Et Race Vicolitis. Ouais, bon, en fait, c'est ça. J'ai tout pris beaucoup trop vite. On met dans les plantes. Now that you have learned the basics, it's time to. Je peux le temps de voir. A map of the world park. C'est quoi, c'est ça? Ok, mais le truc il est littéralement en feu, mais il est tout le temps en feu quoi. Mince, je suis en train de virer des plantes. Ah oui, on peut prendre des... Donc ça c'est quoi? Des fences... Petit plan d'eau. Outhouse. C'est quoi ça? Des toilettes? These toilets smell... Ah oui, d'accord. Ce sont bien des toilettes. On va peut-être en placer. Un genre là. Il réclame des sandwichs. Ah, on a plein de trucs maintenant. Ça, c'est quoi, ça? Park with coffee. Coffee shop. Balbus Bergain. Et Sister... Ouais, c'est ça, non mais là, le truc il est vachement inflammable quoi. Ça fait un peu peur. On peut pas avoir un petit peu Bouncy Castle? Ah si, là. D'accord. Et lui fait quoi lui? Il prend sa pause. Consumer Association.
As warned as they have received many complaints about the your ticket price. C'est vrai? Bon, si cassé, ouais, ce truc là, là il est vachement. Ouais. Reliability, very bad. Super. Toujours troisième. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Calmez-vous. Price is being very expensive. C'est où le prix du ticket? C'est là-dedans. On est in. Non, mais ça, c'est juste les stats. Qu'est-ce qui se passe? C'est la neige? Où est-ce qu'on gère ça déjà? Ice cream, place order. Oula! In stock. Ah, j'ai plus. Faut que je commande des trucs, c'est une blague. Sérieusement? J'essaie de mettre avant. Hein. Faut que je commande le stock. Non. C'est quoi ça? Happy Pips. Ouais. Les gens qui sont contents, c'est les gens en bleu. Undecided, donc c'est les gens voilà, moyens. Et les gens qui sont vraiment vénères, c'est ceux-là. Et donc, j'ai l'impression que une petite partie de notre public voudrait quelques hamburgers. Toute petite partie. On va en mettre. Non. Mais c'est où les hamburgers? Ça, c'est pas des hamburgers? Quack, shoot it out with the sister bucks, ducks. Non, ça c'est un roller coaster en moitié. Full of helium, to miss. Non, on a dit que l'hélium va les m'éviter. Là, on a un café. Ça, non, ça c'est. Ah non, ça ce sont les attractions. Donc, ça du coup. C'est quoi ça? Addictiveness, poor. Ah oui, c'est un truc de souvenir. Fais le café? Ouais, bon, on va essayer alors. Attendez, il faut que je construise des routes déjà. Parce que là. Hop. Pif, paf, pouf. Un petit café. Le truc qui n'est pas en feu, c'est bon. On a réussi notre journée. Où est-ce qu'on baisse le prix de la. C'est pas là-dedans, non, bah non. Je sais pas. Mais il y a le blanc là. Wages. 800. Ah oui, il faut que je gère les stocks, c'était où déjà? Il y a trop de trucs. Kion Loan. Volleyball Cash. Pack Value. Ticket price! On va le baisser un petit peu. On baisse de 20. On va être content. Il va être content. Normalement. On va rajouter une petite attraction. Est-ce qu'on peut mettre donc ça c'est voilà ça c'est quoi ça? C'est une attraction ça? The tree house looks good. It's not a trip to Mars. That mechanical elephant is as reliable as the coin simply doesn't break down. Ride excitement is poor. C'est pas la joie, mais bon, a priori. Maximum capacité 1. Une seule. Très bien. On peut. Ah, il y a un éléphant à côté. Très bien. Si on m'avait dit. On est quatrième. Comment ça?
Park value Kami 400, nanana. On est riche de toute façon. Mais non, laisse-moi mettre mon éléphant. Bon, on va tout mettre de toute façon. On est venu là pour. Waouh! Non! Non, non, non. Oui, annule. Faut que je mette un peu plus loin. Ils ont mis quoi, eux? Pas beaucoup. Il y a encore en feu le truc. Oh, ouais. Ça, on va faire le même schéma. Une. Hop. Et. Oula, oula, oula. Non, 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 non. Voilà. Trop l'ancienne. Oui. Grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Olé. Oh, le bordel. Au secours. C'est le bazar. Lui ça va, il fonctionne bien. Mister Whippy, I see. I think you're being too generous with respect to your ticket price. Ah bon? Il est pas content, ça coûte pas assez cher. On va monter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il vomisse? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est malade? Non. Pas avant de commencer le truc quand même. Attendez, attendez, rien de la panique, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas contents. Au secours! Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui. Quoi? You have failed to reach a wage agreement with the staff union. Finding. Ah, que, donc vous avez loupé une négociation. Oui, c'est ça, un salaire. Enfin, oui, une négociation de salaire pour laquelle le syndicat. Trouverait pour lequel le syndicat trouverait acceptable. Donc, du coup, on a. C'était quoi ça? Je sais pas. Donc, on a loupé la négociation de salaire en gros. Vous allez dire quoi là? Qu'ils vont tous gueuler, que ça va de la crise? Il y a trop de monde, c'est le bazar. Donc, ça c'est. Cosplay, press. Price per. Ah, c'est un. J'ai envie de le mettre là. Allez, go. Encore? Je tends la main. On met à 10, il met à 30. C'est ça? Toujours pas. Ah, faut qu'on mette à plus! J'aime pas, c'est mes sous, hein, je les garde. C'est pas ça? Je suis patron, faut que je les garde. Ok. On va mettre des petits arbres. Qu'est-ce qu'ils ont à crier là? C'est quoi ça? C'est les salariés qui gueulent là? Oh, allez, ok, c'est bon, j'ai compris. Ah d'accord. Ah d'accord, il faut qu'ils se serrent la main, ok. Je viens de comprendre, très bien. Ah ouais d'accord, ils vont. C'est la crise. Relancez une négociation s'il vous plaît. Arrêtez de gueuler. Au secours. Ils vont se barrer. Je vais perdre tous mes employés. J'avais pas vu que c'était demain, enfin j'avais pas compris le système, voilà, c'est demain donc il faut qu'elle se serre la main. Vite! Donc le talent il est allé jusqu'à 26. Ok. Jusque là. Bah allez, jusqu'au bout moi je vais le tenter le truc là, mais. Tout le monde se casse. Mais il n'y a plus personne. Si? Non, je crois qu'il n'y a plus personne. Attendez. Si, c'est bon. Si, ils sont toujours là. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y, 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 vas-y. Je monte jusqu'à 30 et puis c'est bon. Dur, hein? Dur, dur. Give your staff a wage increase of
30%, 30% d'augmentation du salaire. Will not have to work for less. Ah, les mécaniciens ne vont pas travailler pour moins de 327 $. Les techniciens de surface n'ont pas travaillé pour moins de 130 $. Et les animateurs n'ont pas travaillé pour moins de 39 $. Non, les deux être contents là maintenant. Non? C'est quoi ça? Entertainer, people happy. C'est quoi tous ces gens malades là? Ils se m'inquiètent? Ils sont intoxiqués ou quoi? Qu'est-ce qui se passe au secours? On a un genre bizarre là. 196, on va prendre lui, il coûte moins cher. Tac. Bingo, I was just bought some chairs in a park window of 10% of you. Now owns 10%. Il y a quelqu'un qui a investi dans notre parc et il contrôle 10% de notre parc. Enfin, il a acheté 10% de notre parc. S'il veut. Très bien. On va mettre d'autres attractions du coup. On va mettre ça. Ride Excitement. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un truc qui ne me donne pas envie d'y aller? Ok. Very good. 21 000. 21 000, ça va. On a ce qu'il faut. Même si c'est beaucoup, c'est une belle somme. Oula! Attendez, au secours. Le truc était très sensible. Hop, on va le mettre ici. Voilà. Je devrais peut-être faire des ailes plus longues. On va y mettre. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose entre les deux? Non. On mettra ça là. C'est un truc de souvenir quelque part. Comment on pourrait faire ça? Et il est encore en feu. Il y a des gens dedans. Là, on peut pas augmenter un petit peu. Lone, c'est fait des files d'attente en zigzag pour qu'elles soient plus longues. Oui, bah oui, c'est ce que je devrais faire, ouais. Je ferai ça pour les prochains. Lone, c'est le loyer. C'est-à-dire. C'est un prêt? C'est un loyer ou un prêt? C'est bien, qu'est-ce qu'ils veulent? I know charity begins at home, but it is silly, you could make your. J'ai pas eu le temps de voir. Ils veulent toujours ces burgers là, mais j'en ai pas moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous ayez des burgers? Dites-moi, je vous en mets. C'est quoi ça, sorcière? The guards will protect your park from nasty hooligans. J'en mettrai un quand même. Mais un gardien, un flic. Un gars de la sécu plutôt. Eux là ils sont bien. 79 000. Déco, je vais mettre de l'eau là. Ça sert à rien. Si. Ah, d'accord. C'est comme dans Planet Coaster, c'est trop gros. Sur la gauche, je vais y mettre. C'est quoi que je vais y mettre? Ça là? Un truc de ballon. Voilà. Bon, ils ont plein de ballons. On va y mettre bah, des toilettes par là. Je peux pas. Comment on fait pour tourner le toilette? Quoi? Non, il n'y a pas encore une négociation quand même. Je sais pas s'il est branché ou pas là. Comment est-ce qu'on fait pour. Si, ça doit être bon. Si, les gens y vont. Très bien. Ça, c'est quoi?
Ah oui, il y a de plus en plus de gens mécontents et beaucoup de gens moyennement convaincus, on va dire. Donc on peut pas tourner la caméra. Ben, je sais pas, je trouve pas. Il n'y a pas de touche, il n'y a rien. Balloon World. C'est quoi ça? Une caméra plus éloignée. Et sinon. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, il y a un feu d'artifice qui s'est lancé là. J'essaie un peu toutes les touches là. Staff training, shop design, j'ai trouvé. D'accord, on peut améliorer ça du coup. Upgrade, ride design, bigger, cheaper and faster. D'accord, ça c'est la formation un petit peu. On a quoi là? New feature, upgrade facilities, staff training, shop design, new ride design et upgrade ride design. On va prendre new ride design. C'est quoi ça? C'est de la recherche? Je suis tombé dessus au pif, hein. Je pense que c'est de la recherche. Il pleut. C'est la tempête, c'est la cata. Très bien. Hop. J'ai fermé sans faire exprès. Ok. Quelle idée de mettre une touche pour fermer le parc. C'est bon, il est ouvert. Si, il est ouvert, allez. Ok, bon. Oh, c'est pour fermer le parc. On le sait maintenant. Allez, là, c'est bon. Donc non, je n'ai pas trouvé de touche pour tourner la caméra, malheureusement. Trouver une touche pour éloigner. C'était où? Peut mettre un feu d'artifice. Qui me coûte très cher, je crois. C'est R, voilà. R, c'est pour dézoomer. Maintenant, on ne peut pas pivoter. Du coup, là, on n'a pas de nouvelles. Pour l'instant, en tout cas, you could make your ticket price higher. Warning, the Bouncy Castle is getting so old, you should replace it. Quoi? Oh non! C'est drôle, les gars. T'as encore des stocks de nourriture? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, j'ai réussi. C'est une bonne question. Où est-ce que j'ai trouvé ça? C'était là-dedans? Non, c'est dans quoi? Non, c'est dans quoi ça? C'était où? C'était pas là. C'était pas là non plus. Où est-ce qu'on est allé? Ah, c'était ça. Place order, price in stock, send order. Ouais, et les autres? D'accord, j'en ai pas d'autres à. Donc, non. La réponse était non. Je sais même pas si tout à l'heure je l'ai commandé du coup. Je pense que je l'ai. Je sais pas. Je suis pas sûr d'avoir commandé, ouais. Ok. La plus grande qui soit très content. The price is not expensive enough.
Attends, il y a des gens qui gueulent parce que le prix. Non, c'est les employés quand même qui gueulent. Parce que là, on nous dit le prix des. Prends en plus avec 20, tu vas pas aller loin, je pense. Ouais, mais je regardais par rapport au stock. Tu vois, ici, on a value. Ah non, in stock. Je crois que c'était la limite, mais non, en fait, on n'a pas trop la limite, en fait. Oui, c'est. Ah oui, non, en fait, on a. Ah oui, non, on est bon, en fait. Je crois qu'il y avait un. Je sais pas pourquoi, je croyais que c'était 20 tout à l'heure. J'ai cru voir 20 dans. C'est dans quoi? Si, c'est quand tu places le truc. Ah non, c'est stock price, c'est pas du tout stock. Oh, ok, moi j'ai bugué. Je croyais que c'était. C'est quoi ça? Donc ça, c'est ok pour les. Pour le coffee là, non? Il n'y a pas de prix, on s'en fout. Sell price, average. Ça c'est ok. Ah oui, faut qu'on le remplace donc. Attends, ça j'ai compris. On va le supprimer. On peut pas. Oui. Et on le replace du coup. Bouncy Castle, ou on le remplace par. Bah non. Non, celui-là il avait une bonne note en. Hop. Et donc là on peut essayer de faire quelque chose de. Hop. D'un peu mieux. Voilà. Ok. On n'est même plus dans le classement. On est 20e. C'est quoi? Your safety record is excellent. Bonus 10 000. The popularity of your pack is good. Bonus 5 000. L'intégrité of your rides is bad. Ok. Your ride is compliment is bad. Ok. The people in your pack think it is average. Très bien. On n'a pas de bonus. On a des bonus, mais pas que. Sell off your park. Non. On peut vendre son parc carrément. Très bien. Là, on n'a rien à y faire. Probability of winning. Augmente un petit peu. On a 8. Cost of prize 1002 plus par game. Mais c'est quoi le. Winds Panthers. 10 sur 300, ça va. Là on a quoi? Customer Software, Stock Price, Sell Price. Comment je peux faire? Moi je vais rajouter des trucs, je vais tout mettre tout ce qu'on a. Cette attraction là, on va la mettre ici. Je sais pas c'est quoi ce bruit là, c'est les gens qui sont pas contents, j'imagine. Ok, les gens ils y vont. Hop. Très bien. Bizarre. Voilà. Il passe là. Hein. De toute façon, le truc en réparation, on ne le saura pas. Attendez, celui-là, là, il coûte cher. Enfin, il coûte pas très cher, peut-être. Ride capacity max. Ah, c'est peut-être pour ça en fait, peut-être que je diminue un peu la capacité max. Parce que du coup, je pense plus tu mets de monde à pouvoir entrer en même temps, plus il coûte cher. Enfin, plus il se. Pas il coûte cher, il se détériore vite. Donc là, moi je vais couper ça. Je vais te faire un serpentin de fou. Ouais, non. Je vais faire comme ça.
Voilà. Et les arbres, on les laisse? J'imagine que ça passe. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui me fout? Là, je crois qu'il va y avoir un problème. Il m'a déplacé le truc, non? Pourquoi? Ah, ok, c'est moi qui l'ai déplacé, très bien. J'avais pas compris. Il est toujours fermé ce truc-là, mais oui, parce que le truc est à l'envers. Mais le allant. Comment on fait pour le retourner le truc? Allô? Je sais pas comment faire pour le retourner. Le bâtiment. Ça c'est chiant ça, tu peux pas. Je sais pas comment on fait pour le retourner le bâtiment, c'est. C'est pas très pratique du coup, parce que là du coup c'est. C'est comme s'il était fermé. Bon bah écoutez, on va faire ça. Ok, là c'est bon, là c'est bon. Ok, on pourra y aller normalement. On dirait que non. Ah voilà. C'est bon. On y arrive. Là, normalement, les gens devraient pouvoir y aller. Bah, si le gars y va, pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas? Qu'est-ce qu'ils me font? Le mécano, on est d'accord, il est allé jusqu'au truc. Oh, vous, laissez-moi tranquille. Ok, 15-15. Le mécano, il y est allé, donc tout le monde devrait pouvoir y aller. Putain, je comprends rien. Pourquoi est-ce qu'il ne veut plus? Donc sur les arbres, je sais rien. Non. C'est le bordel. Non, le mécano est allé. Pourquoi est-ce que ça ne veut plus? Alors, attendez. Oui. On va le remettre. Voilà. Mais ouais, toi qui veux pas se mettre, je pense que tu veux. Bon, j'ai tout enlevé, j'ai remis, comme ça on est tranquille. Là, c'est ok.
Je sais pas pourquoi les gens veulent absolument aller par la sortie. Encore un truc qu'il faut pas comprendre, je pense. D'accord, tout le monde se casse parce que lui est en train de réparer. Ils veulent. The drink is not satisfying enough. The food is not satisfying. The price is not expensive enough. Ah, ça, je comprends pas. Le prix n'est pas assez cher. Je vous augmente tout. Je vais augmenter le prix du parc comme c'était au début. Je vais augmenter le prix ici aussi. Un petit peu. Toujours ça de prix. Là, pareil. Et là aussi, comme ça, on va récupérer un peu de sous parce qu'on est en train d'en perdre pas mal en fait. On n'a plus qu'à 20K. Bon, après, c'est le début, hein. C'est la reprise. C'est difficile. Là, on les a tous fait, l'éléphant, le café, tout machin. Et là, on a tout fait également. Comment ça se passe ici? Je sais pas, là il y a un truc. Ça avance progressivement, mais très très doucement. Donc, je sais pas, je pense qu'arriver au à la partie noire, ce sera bon. Je sais plus. Pourquoi est-ce qu'ils disent que les boissons sont pas satisfaisantes? Parce qu'il n'y a pas assez de caféine par exemple? Quite a lot. Load. On est comment là dans le... On est bon là au niveau du stock? Ouais. Ouais, bientôt sec. Mais mon stock là, il est déjà parti? Putain, la vache, ça part très très vite. Mais ouais, pourtant il y a plein de monde et tout, mais ouais. L'argent part très vite. C'est comme en vrai finalement. Mais pourtant, ouais, tout est ok. Alors ce truc là, c'est vraiment nul parce que t'es tout le temps en panne. J'ai l'impression de voir Planète encore. Exit. Il est comment notre parc? Il est crade ou pas? Il est pas trop trop crade, le gars il est au taquet. 9K, bon, ça sent la faillite. Ça sent grave la faillite. Ouais, bah écoutez, on va essayer de récupérer des sous un peu partout. Oui, c'est vrai que c'est un peu. Ouais. Un peu chiant d'avoir les trucs en boucle. Et on peut pas choisir le prix de la truc, ok. Bah ouais, mais si on ferme tous les 2 secondes pour réparer un parc. Hop. 20 $ le café, ça va. Ça va, tranquille. Le prix d'entrée, ouais. Cost of prices. On est à moins 3. Ah non, on est à 3K. Et on va perdre 3K, c'est ça? On peut pas le faire là? Non. Et je sais même pas si je peux bidouiller. Non, je peux même pas. J'ai pas d'option en plus. Ça, non.
Ouais, non, j'ai pas d'option pour. À part sur le PC, mais. Ok, bon. Ah, on a récupéré. On récupère 2. 3 000 dollars, on a récupéré. Avec toutes les augmentations qu'on a fait. Bon, par contre, on n'a toujours pas de nouveau nom, et là non plus. Your ice cream stock is getting very low. In fact, there are only two left. Voilà, super, merci de prévenir au bout de. Non, c'est celui-là. Légèrement du vomi par terre. Oh, légèrement. Non, mais il faut commander de la glace tous les 2 jours en fait. Mais non, c'est des bouts de pizza. C'est une part de pizza qui tombait par terre. C'est pas du vomi. Depuis quand du vomi dans un parc? Vous avez mal vu. C'est le pixel art, ça vous a trompé. C'est des parts de pizza. Évidemment pas. Mais ils sont deux pourtant les. Oui. Ils sont très efficaces. Salut Kobe. Salut, salut. Bienvenue. Oui, Theme Park. Ouais, le dimanche, souvent, c'est rétro. Donc. On avait fait Theme Hospital il y a quelques semaines. Là, on fait Theme Park. On a moins de cas. Très bien. Peut-être commencer à prendre un petit prêt. Et nos attractions toujours fermées. Ah. Oui, ça remonte à très loin. Ouais. 97, si je dis pas de bêtises. Bon, on est déjà dans la Moïse. Et il est comment le stock là, juste pour qu'on rigole? Non, c'est pas là, c'est là. Il reste plus que 23, on a commandé 80. Quoi? Il y en avait 20, il y en a plus que 6. Ça fait 3 secondes que j'ai regardé. Sérieusement, mais j'ai pas de sous. Il va falloir arrêter en fait de manger des glaces. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, c'est là. Et du coup, ça n'augmente pas. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Attendez, c'est quoi ça? Ça marche comment? C'est les thunes qu'on met dans la recherche, c'est ça? Merci beaucoup, Planes Coaster. Je sais pas comment on doit le prendre. Ouais, donc ça, c'est les sous qu'on injecte dans la recherche. Et donc, je sais pas où. J'imagine que là, ça va descendre. Et quand c'est vide, c'est que la recherche a été faite. Non? Je pense que c'est ça, non? Ouais, ça a l'air de diminuer là. Et si je mets genre ça, on va voir le descendre le truc très vite. Ah, en fait, on était à 1 dollar par 1 dollar. Oui, c'est ça, ok, ça marche. Bon, on va laisser à 100 et quelques. Là, je pense que je me suis ruiné en quelques secondes, mais c'est pas grave. Moins 5K, ça va encore. I think you should raise the price of your duck shoot up by about 37. On a 62. Mais tu aurais très vite plutôt. Oui, bah oui, non, c'est pour ça. C'était juste pour voir vraiment s'il y avait vraiment une bonne différence. J'ai eu ma réponse du coup. Donc, ok.
Et si je vends mon parc? Maintenant, j'en avais 150 000, donc je vais pas le vendre parce que je serais à perte. Je ferais moins 15 000. Un plaisir. Les prêts, c'est ça? Ah! On a fait un prêt de 100? Bon, allez. Faut se dire que c'est pour, voilà, pour que ça aille mieux. Gavez-vous de glace. Moins 16. Non, plus 30. L'endettement, c'est. Oh, attendez, du coup. Mince, c'était où? Voilà. Alors, on va augmenter un tout petit peu, voilà. Enfin, peut-être qu'on trouve de nouvelles attractions, ce serait bien. Et ça, du coup, je pense qu'on va vite tomber de nouveau dans la dette. Dans une dette maximale, donc on va recommencer un parc et on pensera direct à faire des recherches. En mettant, voilà, dès le début, le tuto, entre guillemets, n'est pas allé assez vite. Nous, on a déjà embauché une série de chaque type de comment dire, de métier. Une personne de chaque, et là, on a réacheté du. Enfin, re-embauché du monde parce que le tuto nous disait au fur et à mesure, en fait, rachète-ci, rachète-ci. Enfin, prends-en, prends-en, prends-en. Nous, on l'avait déjà fait, je pensais que c'était déjà pris en compte par le jeu, mais non. Du coup, on a eu deux fois un professionnel de chaque métier. Donc, c'était déjà là mal parti. Trop de monde pour pas assez d'attractions. J'aurais pu le virer, c'est vrai. Bah oui, je vois ça. Et puis, on n'arrive pas à se renouveler beaucoup au niveau des attractions, donc. Non. Donc voilà, on va apprendre. Enfin, faire, refaire. C'est travailler. 23K. Notre. Non, c'est N. On est combien? On est à la moitié. Puis d'ici, on n'a pas moins les bruits. Hein. J'espérais avoir moins de bruit, mais. Et puis ces attractions qui sont tout le temps en panne. Et donc du coup je pense que ça fonctionne comme dans Planète. C'est-à-dire que si tu fermes ton attraction avec des plein de gens sur la file d'attente, eh bien tu les rembourses tous. Donc tu perds des sous. Ah, tu repères ceux qui t'avaient déjà donné. Qui t'ont déjà donné précédemment. On est comment là, au niveau du stock? Ah, j'ai peut-être pas commandé ici, je sais plus. On va attendre un petit peu, puis on va relancer une autre commande derrière. On va faire quoi? La moitié à peu près? On va attendre un petit peu beaucoup, je crois. Puis là, on voit que. Les mécontents, voilà. Ah, il faudrait peut-être qu'on rajoute. I'm thirsty. Le monsieur est en train de dire qu'il faudrait qu'on rajoute ici un truc de quoi, de boisson. Hop. C'est ça. Et je crois qu'ils ont la dalle aussi. I'm angry, ouais. Donc c'est quoi pour la dalle? Ça c'est un petit jeu de un peu de comme fête foraine à moitié. Ça c'est des ballons. Donc ça va être ça. Ouais, mais deux glaciers, moi je vais me ruiner encore plus vite que la musique. Falloir que je restock tout le monde. Ah bah, du coup j'en ai oublié ma commande. C'est quoi ça? Ah, c'est le stock. Mais d'accord, je viens de comprendre. On est à 59. Mais ça fond comme la neige, comme la glace. Ça fond très très vite. C'est impressionnant.
C'est une commande à la fois, très bien. On apprend, toujours plus. D'accord, on apprend. On apprend que c'est qu'une commande à la fois. Ils ont pas envie de pisser par hasard. I'm hungry, sorcier, I'm hungry, I'm sorcier. Très bien. La bouffe est pas satisfaisante, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont casse-pieds. Augmente le prix de la bouffe. Ouais, pire. Allez. À 30. Tac. Moins 6K. Très bien. Déjà? Attends, c'est moins 6 ou moins 14 du coup? Moins 6, très bien. Là, price per game. J'en sais rien, on va mettre 70. On va essayer de tout augmenter, on va voir si les gens se barrent ou pas. Là. 40 de la glace, tout va bien. On peut même monter à 30. 32. Alors, les gens, est-ce qu'ils y vont ou pas? Oui, ils y vont. Et là? Qu'est-ce qu'ils en disent de tout ça? Bah, ils en disent que c'est toujours pas bien. Le stock. Oui, non, mais forcément. Hey, salut Hunter! Salut, salut! Comment ça va depuis le temps? Comment ça va? On est sur un petit jeu rétro là, au Ten Park. Bah bien, bien bien. Oh putain! Il est cramé! Deck of machin à 24. Le truc a cramé. On peut pas en remettre? Bah non, on a plus de sous. Eh ben super. On va refaire un prêt, vous croyez? 150K. Au secours! Le surendettement, c'est maintenant! Non, en même temps, quelle connerie ce truc, je vous jure. Ah mais non, d'accord, il faut d'abord. Comment on fait pour. C'est quoi, c'est le gars du ménage qui doit venir nettoyer ça? C'est quoi? Comment ça se passe dans ces cas-là? J'ai pas l'impression de pouvoir y faire grand-chose. Oh non, c'est bon. Allez, 10%. Hein. Allez. 15. Quelle bande de voleurs. Qu'est-ce qui me nettoie ça? Je peux pas faire clic droit pour supprimer les trucs, alors que pour les autres, je peux le faire. Est-ce que ça pas règle le temps, ça. Ils font quoi les gars du ménage là? Les techniciens de surface. J'en ai toujours. Handyman, Mechanics, Squidman, Guarn, oui. Month employee, monthly wage. Attendez, j'avais un doute. Handyman, c'est bien les nettoyeurs. Je peux plus en recruter? J'en ai plus en stock, là. Je peux plus recruter. Teddyman.
Comment ça? Bill Clinton has just bought some shares in your park. Bill Clinton a pris 10% de notre parc. Très bien. Maintenant, j'ai plus de gars qui font le ménage là. Ou alors, je les vois pas, mais. Ah si, là. Donc, c'est pas eux qui font ça. Donc, comment on fait pour se débarrasser de ça? Je construis par-dessus? Non, je peux pas. Clic droit normalement pour supprimer, là je peux pas, donc c'est quoi? Non, il vient d'aller voir et. Ça se passe comment ici? Ouais, je sais pas. Tuka bien. Bah, mais du coup, je sais pas comment on fait pour. À moins que ce soit là-dedans. Tristan Fed. Non, non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Oui, ça y est, là, je fais partie ouais, d'une team de streamers indé. Indie Game Stream Team, tout simplement. Pour le nom, en tout cas. Oui, ça y est. Ça fait déjà, je sais pas, non, un mois, pas bien un mois maintenant. Donc on est beaucoup. Mais bon, pour l'instant, c'est le début. Donc il n'y a pas énormément de choses qui sont vraiment mises en place. Ah, il nous reste 12K là, là déjà. Mais oui, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah oui, c'est stylé. Bah ouais, moi je pensais voir pour faire quelques streams avec d'autres gars. J'en ai déjà repéré deux. Enfin, je les contacte et tout. Après là, c'était surtout ma connexion et tout qui était le paramètre principal, savoir si déjà avec ma box 4G là ça allait tenir ou pas. Pour des gens en ligne ou quoi, pour l'instant ça va. Ça dépend un peu des soirs, mais dans l'ensemble ça va. Donc déjà là, ça va me permettre de éventuellement plus facilement y penser. C'est quoi ça? Ah, c'est ce qu'on vient de découvrir? Non. Mais c'est nul. Et c'est trop cher, on peut même pas l'acheter. Très bien. Un plaisir. Bah non. Qu'est-ce qu'on a découvert là? Pourquoi on a découvert ce truc-là? Ouais. Là, bon, en général, ça va quand même, d'une manière générale. C'est assez. Bah, plutôt bien, déjà, vous me voyez en 720 plutôt qu'en. Je sais plus, 400 et quelques. Donc voilà. Non, 720 forcé. Là, c'est 720 normalement bien. Donc déjà, c'est toujours mieux, hein. Mais après, voilà, il faut. Ouais, c'est un petit peu capricieux. Après, c'est aussi l'emplacement qui compte beaucoup et tout. Donc c'est un peu plus compliqué. Bon, on a de moins en moins de gens qui. On a quasiment plus personne qui est content. On a. On va dire, disons, quasiment la moitié qui sont moyennement contents et la moitié qui est pas du tout content. Donc c'est compliqué. Par contre, je sais pas comment est-ce qu'on fait pour détruire ça, quoi. Du coup, c'est mort, quoi. C'est mort pour l'instant. Et du coup, mais par rapport à la team, ouais, y a, bah, la personne qui est un peu à l'origine du projet, là en ce moment, elle a Paris Games Week et elle a fait d'autres
d'autres salons récemment et du coup elle, elle en parle aussi un petit peu de son côté, enfin, vu qu'elle elle connaît, elle a pas mal de contacts au niveau des studios, donc du coup elle parle de nous assez régulièrement apparemment. Donc voilà, on commence à avoir un petit nom, enfin un petit nom, sur certains studios français notamment. Rien de grand, enfin voilà, de très fantastique, mais bon voilà, on est quand même un petit peu connu par certains studios. Est-ce qu'on veut... Oui. Ok. Next year we'll go bankrupt unless you get out of bread. Ok. Bah oui. Bah oui. Ouais, ça m'aide déjà là actuellement. Il y a pas mal de... Pas mal d'effets positifs que je vois... Que je vois arriver très très vite. Allez, prenez mon argent, de toute façon je suis à moins 200 000. Ça c'est drôle, hein. Même à moins 200 000, le parc il tourne, tout va bien. Donc là on va attendre une année que le... C'est quoi ça? Snakes and Ladders. C'est une autre attraction? Ok. Ah donc en fait c'est juste que tu... Ah non, d'accord. D'accord, je vais faire autre chose du coup. Du shop. Ah oui, c'est shop design qu'il faut. Ouais, mais de toute façon, ça sert à rien. Bon bah. On va plutôt recommencer. On peut pas accélérer. On peut pas s'endetter encore plus. Non. Ticket price, on va augmenter. Ouais, du coup on va recommencer, on va y, on va voilà, on a appris des choses. Je reviens, je me fais ranger, je laisse le stream au fond. Oula, grosse soirée. Dis donc. Tac, ça marche. Bah bonne app. Tu viens d'une grosse soirée à 22 h? À 23 h? Ok. Oui. Comment on fait d'ailleurs pour revenir en arrière? Pour revenir au menu. There is not enough change. Chance of winning. The price is too high. Pour. I'm not angry. Ah oui, d'accord, oui, si tu as déjà fait ta soirée, et là tu... D'accord. Ça marche. I'm getting bored. Tired of walking, I'm unhappy. I already got that toy. Bah oui, bah t'es capable de le racheter. I'm still drinking something. Ah, on est le 26 septembre, on va attendre un petit peu et du coup on devrait... Ah si, c'est là. Ah bah restart. Allez, on le restart. Et on va tenter de faire quelque chose de d'un peu plus... Ah, déjà on va apprécier le silence. Ah. Ah. Ça fait même bizarre. Du coup... Attends, on est déjà en train de perdre des sous là. Calme-toi. Donc, on a dit qu'on allait... Non, non. On a les deux routes.
De rien, je l'apprécie aussi. C'est vrai que c'est assez bol de crâne. On va mettre quelque chose qui soit bien direct. Ok, very good. Et l'autre, c'est ok, very bad. Voilà, donc déjà, on va commencer par quelque chose de bien. On va hop, mettre une entrée, une sortie. Mettre un beau serpentin pour. Hop. Voilà. Une belle première attraction. C'est l'expérience. On a déjà perdu 30 ou 20 000. Pourquoi? On ne sait pas. Il faut mettre des toilettes, vite. Est-ce que je laisse. Allez. Oui. Des toilettes. Non, on va mettre d'abord ice cream et boisson. Non. Deleting this will cost you nothing. Ok. Merci. On va faire une file d'attente un petit peu plus longue quand même. Quoique. Non, pas pour les trucs comme ça. Hop, tu rentres direct à de quoi manger. De quoi boire, c'est un café. Ensuite, on va y mettre des toilettes. On va les mettre ici. On peut pas les mettre là? Pourquoi il veut pas? Par contre, pourquoi il n'y a plus de son? Est-ce que ça a bugué? Sound. Ah! D'accord, je sais pas pourquoi ça. Business game, sim game, ok, c'est haut. Il y a un petit peu de musique quand même, hein. Ok, on est en deuxième place, on essaie de grimper, toujours grimper. Qu'est-ce qui est very good? Reliability, oui. Hop, on est parti sur. Hop. Non, on fait pas encore de rebond. Très bien. De la déco, on sait qu'on adore la déco dans les jeux de gestion, hein. On fait bien. On va mettre deux toilettes, on en a mis un au milieu ici, on va mettre un plus sur la gauche. Hey, salut James! Comment ça va? Tac, ici. On a mis boisson ici. On va mettre les glaces par là. On va le coller quand même, enfin pas trop mais. Pas mal quand même ici, voilà. On y met quoi? Salut, comment ça va, Blames? Pour. Very bad. J'ai pas envie de le mettre, bizarrement, le Bouncy Castle. J'ai pas. Non, j'ai pas envie de te mettre. Le stock, le stock, le stock. Hop. Une petite commande de 90. Attendez, pourquoi il y a beaucoup de gens? What? Attendez, ils sont déjà en train de faire la gueule? Du coup, tu peux jouer, ça y est. Il y a Madame Hatch, Margaret Thatcher ou je sais pas quoi qui est en train de. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont? Peut-être le prix de l'entrée qui est trop cher. Pour l'instant. J'en sais rien, ils me disent rien. Ils me parlent pas, ils disent pas, on sait pas. Ça, on peut mettre plus cher. Paf. Et ici aussi. C'est de la bouffe, hein. Faut qu'on gagne des sous. Paf.
Mais pourquoi ils sont pas contents? Direct quoi. Au secours. Prix de l'entrée. Laissez-moi augmenter le prix. Oui, Treehouse si tu veux. Ok. Tu vas pour jouer un petit peu à Flames? Tu joues à quoi en général? À part à Planète? Ici on peut monter le prix? Non. On n'a pas une Dion? Bah oui, forcément. Quel ennui. On est allé trop vite. Deux mécanos, ça c'est sûr. Un gars d'entretien, voire deux, c'est sûr. Et un gardien, un gars de la sécu, c'est sûr. Et un gars de. Non, 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 non. Il coûte combien lui? 450? Il est trop cher. Non, 300. 150, 135, 50, 30. Ah! Eh ben on va prendre un comme ça. Voilà, c'était pour ça que c'était pas content les gens. Food sauce, bad sauce, oui. I'm happy, ouais. On veut plus de comme ça, nous. Ah oui, donc du coup, on a ça aussi. Il faut que je mette des shops. On va essayer de mettre pas mal dans la recherche pour que ça aille assez vite. On va comme ça débloquer plus comment dire, de resto et autres. On est à 138K, donc on est large pour l'instant, mais ça va très très vite, on l'a vu tout de suite. On l'a vu juste avant. On va dessous. Donc là, bah, pour l'instant, il n'y a rien qui a pété, je crois. Il n'y a aucune attraction qui a pété. On peut. Hop. Ici, regardez. Alors, je crois que quand c'est vide, c'est que ça va péter, non? Non, c'est ça. Quand c'est vide, c'est que c'est bon. Le truc est en bon état. Et ici, pareil. On va peut-être pouvoir agrandir un petit peu. Et donc. Il fait quoi là? Que fait la personne en fait? Elle grimpe dans l'arbre, elle fait des tours et tout et tout. Et après, l'éléphant il sert à quoi? Attendez. C'est quoi le pourcentage là? You're making too much profit. Ok. Ok. So far, stock price, sell price. Pareil, on va baisser un peu peut-être. On va faire une petite commande. Non, une petite commande. Un stock. C'est fou, hein, la vitesse à sa part. The ticket price higher and they will be just have as happy. Ok. On va mettre à 42. Ah non, c'est en fait l'éléphant sert à faire grimper la plateforme et faire monter la personne dans l'arbre. Ok. Display to the screen. Right purchaser. Oh, makes sense. Ah! Ok. On peut rétrécir tout, les personnes, les attractions et tout et tout. Est-ce qu'il y a des gens contents maintenant? Parce que du coup, nous, on est parti avec que des gens pas contents. Il y a un peu plus de gens qui sont moyennement contents, c'est déjà bien.
comment on n'est pas arrivé, qui vont se faire dévaliser. Voilà, c'est parti, allez, les voraces. Alors, on va continuer sur notre lancée. On a boisson. Hop. Il y en a qui sont. Est-ce qu'il y en a. Ah, ils sont moyennement contents, eux. Donc, ça, c'est bien. C'est bien. Lui, il n'est pas content. Eux, ils ont soif et faim. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de restos différents ou il n'y a pas assez de place dans les restos qui sont actuellement? Ça, je ne sais pas. On a une. Big time fries. Oui. Et bien, du coup, on va leur mettre ça. Avec le toilette juste à côté. Tac. Est-ce qu'il va falloir commander des choses pour les fries? Oh non! Oui, il va falloir. Évidemment qu'il va falloir. Et c'est pareil, c'est une commande à la fois ou pas? Non! Ok. Parfait. Donc là, ils vont avoir plus de choix. Ils vont avoir des glaces, des frites. Ouais, en fait, la recherche, c'est hyper important. On est comment, là? Oui. On n'a qu'un seul point là-haut. On peut pas en mettre plus. 920 000. Je trouve que ça va, pour l'instant, ça ne descend pas trop. On est plutôt bien. Les frites sont à combien? 45, un mot of salt. Est-ce qu'on augmente le sel? Enfin, un petit peu quand même, ça va donner plus soif. On est descendu, on est parti, on était à 2, 3 et 4 je crois. J'ai augmenté le sel, on verra du coup si ça donne plus soif ou si ça les dégoûte. On est repassé 136K quand même. On était à 120. Petite remontée à 136. On aurait compris la clé de la stagnation. Oh non, pff, les pires. Je sais qu'il faut au moins aller à 15. Allez. Bah oui, fais un effort aussi là. Je peux aller trop loin. Moi. J'ai le bras un peu court. Ça c'est ok. Bon bah il est beau là notre parc. C'est comment les gens? Je sais que je vais jusque là, après, ça vous de faire un. Ouais. On est en dessous des 30, ce qu'on est tout à l'heure. Bon. Ça fait mal hein. Bon, on va faire une commande. Pif. Et. Voilà. On est en train de récupérer un petit peu sur les gens pas contents. Enfin, les gens moyennement contents, en tout cas, récupèrent. Ça, c'est le stock. Si je ne m'abuse. Je pense, hein. Je pense que c'est le stock. C'est peut-être devenu trop cher, hein. Non, 25. On baisse un petit peu quand même au cas où. Ah, 25, ils vont toujours. Ils vont plus trop acheter là, si. Bon, dans le doute, je laisse à 23. Est-ce qu'on a une recherche? Non. Quelqu'un tire la chasse? Non. On est redescendu à 120 000. Est-ce qu'on va magiquement remonter? On est dans le vert au niveau des fournitures. Est-ce que c'est un bon signe? Je crois que oui. On est en train de manger les gens pas contents. Faire plein de commandes. Enfin, une commande avec beaucoup de stock.
stock en bois. 116K, forcément, avec les deux commandes qui viennent de passer. On va bientôt découvrir quelque chose, normalement. Il faudrait qu'on enlève après le point qu'on a là pour le mettre dans... Dans quoi est-ce qu'on va le mettre? Staff training. Je pense pas. New features. C'est-à-dire... Central, more attractive trees. Ok, on va peut-être faire là-dedans, là. Ah, massive capacity buses, donc plus de place dans les bus, donc plus de monde à venir, et huge warehouse. Ça peut être pas mal, ça. Et ici, on a de nouveaux designs, donc de nouveaux bâtiments. De nouvelles attractions, ou alors de meilleures attractions, ça pourrait être cool aussi. On pense surtout au château gonflable, qui prend feu tous les à peu près 10 personnes. Oh là! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Calmez-vous. On a assez de stock pour tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas contents? Oui. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contents, les gens? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fermé le resto. Allô? Merci. Désolé pour les cliquetis, mais il ne voulait pas rentrer dans le machin. Hop. Ça, on baisse un petit peu. On baisse un tout petit peu. Qu'est-ce qui ne leur va pas? Ils ont pas envie de marcher. Oh non, on est là. On est 15e. On est passé de 4 à 15. Non. Bah ouais, mais calmez-vous, quoi. Qu'est-ce que... C'est dégueulasse, ils ont soif, ils ont faim. Hey, salut Alikos. Salut, salut. Comment ça va? Là, comme on arrive, on recommande. Tac. Comment ça va Alikos? On est sur, sur un petit theme park, donc c'est difficile. Ouais, pas de soucis, t'inquiète pas. T'as pas obligation d'être là tout le temps. Ici on a... ouais... Et là... Ok, on a rien de plus... non. Non, pas la négociation. Allez, je te l'attends, je te l'enlève. Ah, oh, j'aurais dû. Ouais, je me suis un peu mort là. No pass can go down here. Quoi? Quoi? No pass can go down here. Où ça? Pas de coup de pas. J'ai l'impression de faire passer ma vie à faire des commandes. C'est quoi ça? Du coca? On a débloqué un nouveau truc. Des boissons. Ah bah c'est très bien. On a à manger, à boire, frites, cola. Parfait. On est reparti pour toujours plus de commandes. Le truc vient d'ouvrir, mais c'est déjà la cata. Hop. C'est parti. Donc, t'as combien toi? Quels sont tes prix? 47. Ok. Maintenant, il nous faudrait... On a un nouveau truc apparemment. Non, c'était ça.
Ouais, c'était ça, ok. Ok, donc là on va arrêter tout ça. Voilà. On va mettre nos features. Trees better quality toilet. Ouais, est-ce qu'on fait ça ou on fait plutôt. Bon, plus de gens, non. On n'a pas forcément besoin de plus de gens, il faut juste qu'on améliore. On va peut-être améliorer toutes nos. Ouais. On va améliorer nos attractions. Ok, Cola, on a une commande à faire encore. Tant que c'est pas dans le vert, je fais des commandes. Puff. Ce qui est bien, c'est que tu peux préparer ta commande pour la fois d'après, et après, t'as plus qu'à cliquer sur. Send order. Mais l'argent part très vite du coup. On est à 70K. Prof, money bags, let's just blow some shares. Ok, encore un professeur money bags qui a payé 10% de notre parc. Y en a un qui trouve que c'est trop cher ici? Ouais, 23, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air de leur plaire. Ici 47, je trouve ça énorme, mais ils ont l'air de venir. Y a plus personne pour nettoyer le parc ou quoi? Ils sont où les gars qui nettoient là? Il y en a un qui va dans la file d'attente carrément. Il a cru qu'il était payé pour faire des tours. Ah, merci. On est comment là? Ouais. On est moyen nul. C'est un plaisir. On a moins 10K. On n'est pas à moins 10K, pardon. On est à 70. Moins 10 qui vont arriver bientôt. 60. On est comment on est... Ah, on est bien là. On a des bonus ici. Ah non, average. Ah, si on a un bonus de 5000 et average. Ok. On va pas tarder à améliorer du coup nos attractions. C'est ça. C'est que j'ai mis. Hein. Stronger, bigger, cheaper and faster ride, ouais, c'est ça. Mais c'est impressionnant, ils ont toujours la dalle alors que je suis en train de faire des commandes de fou. Et je comprends pourquoi est-ce que. Ils sont jamais contents quoi. Ils vont manger mais ça leur plaît pas. Voilà, ils ont la dalle, donc c'est pas bon. Your stock of. Ouais, une cavalry fries. Ça lui plaît pas mon stock? Mais en fait, faut toujours, toujours, toujours faire des commandes. C'est fou! Ils ont souvent en panne ce truc là. Est-ce qu'on prendrait pas genre un mécano en plus? C'est un gars de. Ouais, bon, de toute façon, ça c'est pas inutile. C'est pas ça que je voulais prendre, c'est un mécano. J'ai pris aussi un gars d'entretien, mais c'est toujours utile. On va réparer. Ah. Pour. Bon. On va mettre ça quand même, même si. C'est quoi ça? Ah oui. Wow! Oh! Il me coupe ma file d'attente.
Allez. Allez. Oh putain, il abuse, hein. Donc. Tac. Voilà. Six. On va en mettre un de moins parce que si ça fonctionne comme dans Planète et tout, plus tu vas mettre de monde à tourner sur le même sur la même attraction en même temps, plus ça va l'user. Et là on est bon ou pas? Oui, du coup on va avoir quelque chose qui va apparaître. Normalement. Si je ne sais pas à quoi m'attendre. H-Call, acheter également 10% du parc. On est bon par les commandes. Voilà. Hop. C'est bien leur système là de stock qu'on voit partir et tout. Heureusement qu'il n'y a pas assez à faire dans Planète parce que ce serait insupportable, mais c'est sympa. Bon, du coup, au niveau de la recherche, je sais pas trop, là, on n'est pas censé avoir quelque chose. C'est impressionnant, on a beau avoir plein de monde, je sais pas combien il y a de personnes, mais il y a quand même du monde. Ah ouais, mais non, d'accord, on vient de rembourser les deux, là. Les deux files d'attente, on vient de les rembourser pour réparation. C'est un plaisir, on a perdu 3000. 4, on a récupéré 1. C'est pas la joie, c'est pas la folie. Ouais, Reventer. Déjà pas content, mais je sais pas ce qu'ils veulent. Ne me dis pas qu'ils ferment ici, non. Ce que ça a fait ça en fait, on a dépensé des thunes mais pour faire quoi? Je sais pas. On va arrêter et on va remettre. Alors, quand les gens gueulent en mode c'est quoi? C'est que c'est sale? Est-ce que du coup il faudrait augmenter notre personnel? On pourrait aussi l'augmenter, on va peut-être mettre un peu plus pour que ça aille plus vite. Et on va on va y mettre comment? D'accord, on peut faire sur plusieurs. Il y en a juste un qui va prendre plus de temps. New shop design, c'est pas du shop design, c'est new design, ride design. D'accord. On peut faire ça, comme ça on va former notre personnel et en même temps on va continuer. On va un petit peu chercher. On va chercher doucement. Alors qu'on est déjà. C'est vrai que j'ai pas augmenté depuis le début. On va voir, là on est combien? Déjà moi cette carte, ça passe trop vite. C'est impressionnant. Mais c'est mieux, je trouve qu'on a quand même un peu plus tenu. Je sais pas, mais en tout cas. On a réussi à rester stable un moment, et après il y a eu quelques petits soucis avec les attractions et tout, donc forcément on a dû rembourser. Mais c'était plutôt. Voilà, je sais pas. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça un petit peu mieux. Je sais pas quel est votre ressenti d'extérieur, mais moi en jouant, j'ai trouvé ça un petit peu mieux. Déjà au niveau des stocks, on était mieux. Au niveau de plein de choses, on était plutôt pas mal.
À part au niveau de la vie des gens, mais bon, ça. Ça, voilà quoi. On peut faire des commandes. Très bien. Commandons. Tant qu'il y a l'espoir, on peut commander. J'imagine que quand ils font ça, c'est qu'ils sont trop secoués, on va dire, par les tasses. Ah ouais, non, non, c'est pas les tasses, non. C'est peut-être trop. La vache. Ici, vous, les gens qui nettoient, s'il vous plaît. Quoi, peut-être trop de sel. On sait pas. On va baisser un peu le sel. Quelqu'un qui fait du nettoyage, s'il vous plaît. Handyman. Tac. Voilà. Il fait la tondeuse. Mais nettoie! Il fait la tondeuse. Je l'ai mis là pour qu'il nettoie hein, à la base. Parce qu'il y a plein de bouts de pizza, hein. On est d'accord que c'est des bouts de pizza, c'est pas autre chose. Et l'autre il va passer à la tondeuse dans tout le parc. Mais c'est une blague. Mais reviens! Et vous deux, là, arrêtez de faire des attractions. Attendez, j'ai un pitié, là. Toi. Oui, toi, t'es vachement bien payé. Mais non, mais pourquoi il retourne dans l'attraction, sérieusement? Là. Quelques millions en bleu du moins, oui bah. Voilà. Ouais bah. Hein. Meilleurs en bleu du moins, ils ont bon dos, hein. Ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire la tondeuse. Je leur demande de nettoyer le truc. Non mais regardez ça! Regardez ça, il y en a partout! C'est dégueulasse, jusque là! Jusque partout en fait! Mais les gars, mais. Mais bosser! Ah, ben y'en a un qui bosse au moins! Toi, tu mérites une augmentation, même si tu l'auras pas! Peut-être pas abusé! Mais toi, arrête de faire la tondeuse! Comment je peux le choper et l'empêcher de faire la tondeuse? Mais c'est des tarés ces gens-là! Mais toi, mais il est où? Il était dans le bus? Là! Arrête avec ta tondeuse! Arrêtez! Mais ils sont pas bien! Mais c'est quoi leur problème? Qu'est-ce qu'on a maintenant? Bridge. Safety record. Mais. Next year we'll go. Bankrupt unless you get. Out of red. Ok. Mais non mais les gars, ah ça y est. Ah bah il y a le troisième qui lui, bah il va peut-être pas se mettre à la tondeuse non plus. Il s'est dit bon, bah, je vais faire mon boulot hein. Je fais un ménage un peu. Voilà donc toi je t'aime bien. T'es qui? On peut pas le choper lui. C'est qui? C'est toi? Ouais c'est toi. Alors toi... Je suis fer. On peut pas avoir sa fiche? Comment on fait? Ça c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Je veux le récompenser. Comment on fait? Ça? Ça, oui. Allez. Game 4$ de plus sur ta paye. Le stand bouffe, les gens sont encore écœurés. À gauche là-bas? Ah mais ouais. Mais c'est quoi? C'est le prix qui les fait vomir ou... C'est le sel. Il n'y a pas de poubelle dans le jeu. Peut-être qu'on n'a pas découvert, mais peut-être qu'on peut en avoir. C'est peut-être ça le truc. Je suis pas sûr que ça a marché hein, l'entraînement du staff, vu comment ils sont bons les gars de l'entretien. Hein. Je suis pas sûr que ça ait fonctionné.
mettre là-dedans plutôt. Hein. Ouais, si, on va laisser ça. C'est dur d'avoir un tout petit clic. Bon, on va considérer que l'entraînement, la formation de nos gars n'a pas fonctionné. C'est un désastre. Formation continue n'a pas fonctionné. On est d'accord, on est plutôt dans le mal. Hein. Violet, c'est ceux qui sont pas du tout contents. Orange, c'est ceux qui sont moyennement contents. Puis les bleus, on les voit plus. Ils sont plus là. J'ai baissé le taux de sel, hein, donc il devrait être plutôt content normalement. D'ailleurs, c'est où? Pour le sel, c'est quoi? Too much profit. I can't eat or drink another thing. Can't eat another bite. And drink another drop. D'accord. Bingo Highway, encore acheté. Un même truc à récupérer des parts de notre beau parc. En faillite, qui plus est. C'est bon, là, ils sont calmés, non? Et voilà, ils sont encore en train de passer la tondeuse. Mais sérieux, c'est des tondeurs compulsifs ou quoi? Feature, je sais pas ce que ça va être, mais. Ah! Bon, on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi une nouvelle feature? Toujours les choses qui fâchent. Hein. Allez! C'est quoi du coup nos features? Ah, non. Oui, si on veut augmenter ça quand même. On va nouvelles attractions. Parce que là, on n'a pas encore fait de prêt, hein, donc on pourrait. Non, non. Tac. Tac et tac, voilà, on est positif. De toute façon, l'année dernière, là, à la fin de l'année, on est 1er décembre. Bon, bah, dans moins de 30 jours, on est en banqueroute. Donc, Ah, non, du coup, on va revenir un an de plus. Ou pas, parce que peut-être que 23K en 15 jours, on les perd. La vitesse où ça va. Sachant qu'on a des commandes à faire et tout, qu'on n'a pas encore fait. Parce qu'on va éviter de les faire jusqu'au dernier moment. On est toujours dans le mal. Non mais regardez ça, il fait passer la tondeuse tout le temps, mais c'est mal foutu en plus, c'est pas droit, c'est pas bien dégagé là. Il faut qu'on passe des commandes. On est comment là? Ah oui, on est dans le mal. Bon, je pense que c'est probablement les dernières commandes qu'on passait, mais bon. On peut préparer les suivantes. On est comment là? On gagne bientôt. Ouais. On va mettre un peu plus de sous là-dedans. Oula! Non, là on était à 300. 300. Voilà. On a fait New Design Ride. Voilà, 100. Et du coup, on va augmenter le staff. Non, pas le staff training.
complètent un petit peu s'ils veulent, mais c'est pas notre priorité, clairement pas, vu le niveau. New shop design. Non, ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Il y a un problème avec la bouffe ou quoi? Pourquoi ils ont... Pourquoi ils pètent des gars comme ça, ils vomissent tous? On n'est plus qu'à 1000, not much. Average. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas et du coup c'est pas bon? C'est que il y a trop et c'est pas bon? C'est quoi? On sait pas, on sait pas. Amount of ice. On va en enlever. Faut augmenter le prix. Ah, c'est bon. Il y a le nettoyeur, celui qui a gagné 4$ sur sa paye. Lui, il les a mérités. Ah, les gens, ils sont comment? Ils sont plutôt quoi? Ah, plutôt moyennement contents. Il y a deux qui sont contents. Regardez, ils ont le sourire. Incroyable. J'ai pas fait gaffe avant, mais je suis pas sûr que c'est souvent ça arrive souvent. Qu'est-ce que... Erwixon. C'est l'apocalypse. Ah. C'était quoi? J'aime bien quand on joue ce bar quand tu cliques dessus. Enfin, avant que tu cliques dessus. Du coup, on ne saura pas ce que c'était encore. Déjà 6 mois qu'on a 8 mois qu'on a fait le parc, donc la nouvelle année commencée. Ça passe vite le temps. Game speed. On est en normal, ok. Et on est déjà à moins 8000. On peut faire ça. C'est une touche, et la touche fait que il y a un feu d'artifice. Mais peu importe où tu vas. Hein. Tu vas là, tu auras un feu d'artifice. Et je sais pas à quoi il sert. C'est juste de la déco, c'est. Ça fait vraiment un effet, on perd plus de sous plus vite. Oh, tiens, quand on parle de perdre plus de sous plus vite. Toujours là, eux. Allez! Mais il y a ça aussi qui nous ruine là. Les gens, les employés, les négociations de contrat, tout ça. C'est ça qui nous ruine. On devrait négocier les contrats, les salaires, et pas diminuer manuellement sur chaque personne le salaire qu'on a augmenté. On peut se barrer du coup. Et regardez ça, ils sont tous les trois là, les gars, qui font le ménage. Ils vont tous dans la file d'attente. Alors, ok, dans la sortie, je veux bien. C'est là que les gens vont vomir. Mais dans la file d'attente, qu'est-ce qu'ils vont faire à part essayer de pas les gratter une place? C'est fou, ça. Le genre un qui fait le manège, je veux bien. On a gagné une place, on était 24e tout à l'heure. Ah, ah oui, d'accord. Donc, gagner un an. Et du coup, on n'a plus rien à voir avant. Ah, ils sont contents, les gens, eh. Attendez, pourquoi est-ce qu'ils. Pourquoi ils sont tous contents comme ça d'un coup? Tout à l'heure, il y avait moitié pas content en violet, moitié pas trop content, enfin moyennement content en orange, et là, ils sont tous contents.
Parce qu'il n'y a plus de glace. Bon, j'en sais rien si c'est à cause des glaces, mais. Et on n'a plus de glace. Parce qu'on va disparaître l'année prochaine, c'est ça? Salaud. Je sais pas, je comprends pas. On va plus avoir de frites. On va être content. Je sais pas, je crois que je. Ils sont tous contents maintenant. The fry stock is getting very low. Peut-être parce qu'on a amélioré quelque chose. Mais quoi? C'est ça le truc? Je ne sais pas quoi. Very good, reliability, excitement. Ok, ça a toujours été. Ça c'était déjà comme ça pour very good, ouais. Ok, very bad. Non, ça n'a rien changé. Very go round, c'est quoi ça? Ah oui. Ben, je comprends pas. Les gens sont contents. On est à moins 54, moins 50, moins 60 000 maintenant. Mais les gens sont contents. C'est le principal, j'ai envie de dire. Oui, le stock de ice cream is about to arrive. Je comprends pas. Moins 80K, normal. Et le gars là qui fait le ménage, les gars, mais c'est 3, mais il y a toujours que un petit boss. Que j'en chope un, c'est ça. Toi, on va voir si t'as compris. Mais ils sont toujours là. Mais je les ai voyés tout le temps là. Ils sont tout le temps à droite. Tu m'étonnes qu'ici il n'y a pas de. Et allez, c'est parti. Il y a encore un tondeur compulsif. Je vais le virer. Toi, t'es où? Toi, je te vire. Comment on fait? Ah, mais attends. Ah non, ils sont trois, ouais. Comment on fait? Allez! Paf! Ah mince, je peux plus en racheter. Bon bah vous êtes plus que deux. Il m'a saoulé. Ah ça y est, il y a le nettoyeur fou. Il en a vu un partir, il s'est dit bon allez, faut que je fasse mon boulot parce que sinon c'est moi qui passe. Passe au prochain contrôle. Et l'autre, il est toujours dans la file d'attente. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils sont toujours dans les files d'attente? Est-ce que c'est un bug ou est-ce que le gars il a pas compris qu'il n'était pas là pour jouer? Il était payé. Payé, pas pour. Hein, pas pour des prunes. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me met là? Attends, c'est relou, c'est fait intuitif. Pourquoi il me met là? Il est pas en train d'attendre pour se barrer quand même. Il est où lui? Je sais pas, je vais choper en tout cas. Il va venir bosser. Mais tu vas où? Mais à quoi ça sert d'aller tondre aussi loin? Ça m'inquiète. Ah! Ils sont surtout tarés, ouais. Ok. Ok, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le médium peut être. Non, enfin, le easy peut être médium, le médium peut être hard. Donc, on va peut-être limiter. On va mettre opponents. Je sais pas ce que c'est, opponents. Donc, on va mettre 4. J'ai mis all. On va mettre 4, on va tester. Hein. Opponent level, on va laisser en médium. On va laisser mail. Tout le reste, on va laisser. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Il demande notre âge. First game, non, du coup. Toujours là-bas. D'accord. Oui. Ici.
By land, hop, hop. Oui. Ok, alors, stop, pause. Bon, on va essayer de faire un parc qui ressemble à un parc. On peut rien construire en mode pause, très bien. Hop. Alors déjà, j'ai envie de faire un sens de circulation. On va faire un truc comme ça. D'accord, si tu veux comme ça. Ok. Voilà. Parce que c'est peut-être trop le bazar aussi. Est-ce qu'on fait... Non, là on va partir. Trop, voilà. Ouais, on va faire un truc comme ça. On va faire une allée principale. Comme ça, voilà. Les gens peuvent faire des petites boucles, des machins. Et ce sera déjà très bien. On va mettre un gars de chaque avant qu'on les oublie. Gardien. Ah, j'ai pas mis d'animateur tout à l'heure. Peut-être ça hein, qui pêchait. Ah si, on a mis celui-là. Peut-être de... Hop. Donc ça, pour moi, je trouve que c'était très bien. Voilà, on va mettre ça ici. Une sortie là. Hop. Non. Non, c'est pour lui. Non. Attends, toi, hop. Bon, ça va le faire ou pas? J'espère. Au pire, on va faire ça comme ça. On va mettre une autre attraction à gauche. Celui-là, Liability. C'est très bien. On va le mettre sur le même modèle inversé parce que la symétrie. Hop, voilà, là on est bien. C'est très très beau, hein. Moi je suis très très satisfait de cette symétrie. Moi ça me va. Et on va faire à boire. Je suis premier. Cool. Hop. Et hop. On part sur un truc, voilà. C'est carré, mais c'est beau. Avec des toilettes, et bien par exemple, ici. Et ici. C'est pas mis dans le bon sens, lui. Mets-toi dans le bon sens. Merci. Voilà. Ça, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Had that summer came filled your park with trees. Ok, ça donne un côté un peu club de vacances. Dont on s'en fout. On va faire des commandes. Ça, on connaît. Préparer la seconde. Hop, on va anticiper sur la formation. Enfin oui, la découverte, la formation, on va mettre 500 si on peut. Ok, non, on peut pas. Ok, donc on a dit shop design. On va mettre la moitié à peu près si on y arrive. Voilà. Et New Feature, on sait pas ce que ça fait, du coup il y a des trucs qu'on ne sait pas. On va mettre nouvelles attractions. Voilà. Là on est bien, je pense. Oui. Les commandes elles arrivent. Allez, lui il est parti. Hop, voilà. Ça circule, ça, c'est fluide. On est bien. Je vois que on a des commandes à faire. Ah oui, bon là, ça, on est un peu plus
tranquille, on n'a qu'une commande à gérer à la fois. Hop. Les gens sont... Voilà, ils en savent rien, c'est normal, ils viennent juste d'arriver. Très bien. Alors là, on a une boisson, donc on mettra à manger ici. L'autre côté, on a à manger, donc on mettra à boire, sauf qu'on ne peut pas. Donc on va couper ça. Je vais l'agrandir un petit peu. Comme ça, je pense. Après, de toute façon, cette boucle-là, on peut l'agrandir, on peut faire des passerelles, des machins, enfin des routes qui vont d'un côté à l'autre, peu importe. Juste que voilà, il faut qu'il y ait un sens de circulation, une entrée, une sortie. Et ici, au milieu, on met pas de jointure. Ça fera peut-être plus circuler les choses. On va essayer. Alors, ici, on va pas toucher à tout ce qui est sel, machin, on va laisser comme ça. On va mettre à 23, je crois que c'était le prix qui était bien. Attendez, je crois que ça a baissé quand j'ai mis. Non. Bon, je vais mettre 21. Et là aussi. Du coup. Donc là, moi, ce que j'attends, c'est une nouvelle attraction et surtout un voire deux nouveaux restos à boire et à manger. Du coup, frites coca, du coup, si c'est frites cola, si c'est ce qu'on a, si c'est toujours dans le même ordre, je sais pas. Les gens évidemment sont pas contents. Qu'est-ce qu'ils ont? It's you, buddy. Alors, on sait pas. Ils ont faim. Bah oui, mais allez manger. C'est ça qui est dingue. Ils ont faim, mais ils vont pas manger. Donc forcément, ils se plaignent. Ou alors, est-ce qu'on met un de chaque côté? Ice cream café. Ice cream café. Ou alors c'est juste qu'ils vont pas manger parce qu'ils ont pas ce qu'ils aiment. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Ils ont tous la dalle. C'est impression ça. Le seul truc qui pose problème, c'est à boire et à manger quoi. Ils vont dans un parc d'attractions, ils ont la dalle et ils ont soif. On est à combien de nettoyeurs? On va en mettre un deuxième, oui. Hop, un deuxième. Il va pas tondre, hein, parce que alors là, ça va pas le faire. Moi, maintenant, les tondeurs, je les vire. Boire un verre. On a augmenté le prix du parc? Oui, je crois que oui. Oui, je crois que oui. On fait des débuts. On a découvert un truc et c'est fries. Donc les fries, ça sera à gauche. Hop. Is ok. Avec 2000 le plan d'eau, hein, on va mettre un petit géranium et puis ça sera déjà très bien. Alors attends, ici on fait quoi? On baisse? On va juste pas augmenter, on va juste pas toucher au sel, on va le laisser comme ça. Le stock, le stock, le stock. Ça. Voilà. On peut pas faire une commande groupée. Ça va être 90. Non. Très bien. On est toujours moyen, on est comment ici? Non, on va avoir un nouveau design a priori. D'attraction normalement. Une nouvelle attraction en gros.
Si j'ai bien compris comment ça fonctionne, parce que j'ai un doute. Là, ah bah si, du coup, voilà, l'attraction, oui. Le maze, un labyrinthe. Labyrinthe qu'on va mettre où? On va essayer d'avoir le même schéma, on va reproduire à chaque fois le même schéma. Donc sur... Ouais, on va voir. Non mais t'es pas obligé de suivre le chemin que je place, par contre. Hop. Ouais, non, pour l'instant, on va pas s'embêter avec ça. Allez les gars, mais arrêtez de me crapuler. Dès qu'il y a une route, ils foncent dessus, eux. Et voilà, ils sont perdus, maintenant il s'en va, je sais pas où lui. Bah là du coup on peut laisser une seule route. Donc là on va mettre le labyrinthe. Bah là peut-on parler de... peut-on parler de Marseille? Ça me coûte rien parce que... D'accord, c'est direct, c'est cash. Va faire rentrer par là. Peut-être un petit peu mouvementé, non, petit gars? Hop. Very good, very bad. Ah, pas trop excité, pas trop de, voilà, de... Bon, on est comment? 130K. Bon, je disais tout à l'heure que c'était bien, que ça allait être cool et tout, mais c'est parti très vite. Donc je vais rien dire. Et puis on va laisser le temps se passer. On a juste hâte de récupérer un nouveau truc ici. Mon approvisionnement, on en est où? Tac, le 11 juillet. On en avait 2 mois pour avoir un... Ah non, plus, 3. Mais je juillet, vache. 2 mois et demi. Est-ce que les gars font le nettoyage ou pas? J'envoie un là-haut qui va encore faire la file d'attente d'une attraction. Et l'autre qui est là qui va aussi faire la file d'attente d'une attraction. Pourquoi? Mais regardez-les. Vous les voyez, c'est le gars qui est là. C'est lui là. Qui va là? Ils sont buggés. C'est impressionnant. Attendez, je vais le décoincer parce que il va péter un câble là. Il nous pète une durite, le gars. C'est pas toi. C'est l'autre. C'est ton pote, il va pas bien. Je crois qu'il est en train de faire une déprime. Et allez, il repart dans une file d'attraction dès que je le place. Il est incroyable celui-là. Très bizarre, hein. Problème d'IA, j'imagine. En tout cas, les mécanos font leur taf. Le mécano d'ailleurs, non? Ouais. Je vais en prendre un deuxième. Parce que, à mon avis, il a beaucoup de boulot. Et que ce serait bien qu'il ait un copain. Allez, peut-être
Peut-être qu'il est censé patrouiller. Ouais, mais s'il reste tout le temps dans la truc, c'est pas terrible. Oh, ça va, t'as pu tendre le petit bout du, hein, du majeur. Les ambulances toute la journée. Vidéo, c'est la folie. Toujours pas de nouvelles. Ah oui, attendez, il faut que je mette. Donc, ça, on va le mettre ici, juste à côté de la. Voilà. Et allez! Ça. Allez. Ça va. T'as de la chance. Hop. Et ici, du coup, on va laisser. Peut-être un truc. Et on va y mettre ça. Les chances de gagner, on a vu que ça leur plaisait pas tout à l'heure quand c'était assez bas. Bah oui, c'est Marseille, hein. Le clic-souris qui veut pas cliquer sur la porte, il se décale. Ok. Ouais, elle est... En fait, elle est... on l'a pas dit, mais c'est une tour dans un hôpital en fait. Il y a tout un hôpital. Elle est la grande tour au milieu avec tous les bureaux. Et le dernier étage. Quand on va augmenter. On est déjà à 76 000. Hein. Un stage sur ton hôpital. Donc les atouts placés, on a mis ces deux-là à gauche-droite au début, les souvenirs derrière, enfin le jeu là et le souvenir derrière. Là, on a mis les plus solides. Donc là, on est bon. Maintenant, au niveau de la formation, enfin de la découverte. On est comment? On va peut-être... augmenter les thunes qu'on met là-dedans. On va mettre à 1000. Et donc... Pourquoi il ne veut pas augmenter? Ah oui, parce que c'est déjà augmenté, très bien. Donc je vais augmenter les sous qu'on a injectés dans les recherches. Donc normalement on devrait trouver plus... Bah tiens. Le cola. On va mettre ici donc une petite commande déjà en route. Voilà. Il est quand même assez détaillé dans l'ensemble. Après, bon, là, il n'y a pas tout l'aspect création de décor, enfin de voilà, de bâtiment. Mais du coup, ça nous permet d'avoir à la place plutôt une gestion des stocks, etc. Et du coup, c'est, je sais pas, c'est assez sympa. Même si c'est assez redondant, ça nous oblige à toujours être assez rigoureux, à toujours y penser déjà. Et donc à être assez au taquet, voilà, ça fait un petit truc à faire en plus. Et du coup, on se sent quand même assez impliqué dans la gestion pure et dure du parc. C'est quand même assez intéressant plutôt que juste poser un bâtiment puis se débrouiller après. Donc là, on a le maze, donc après on va découvrir le serpent normalement, si c'est dans le même ordre que tout à l'heure, et a priori oui, puisqu'on a eu les frites et le Coca-Cola.
We should raise the ticket price. C'est vrai? J'ai pas vu combien s'il me conseillait un prix ou pas. Mais on l'a augmenté. Ici on a combien? On va avoir un nouveau nouvelle attraction a priori. Par contre, à force d'être dans le mal, ça va finir par cramer comme tout à l'heure. Ok, je la ferme avant qu'elle crame, parce que tout à l'heure on a une attraction qui a cramé. J'espère qu'elle va pas cramer en attendant que le gars arrive. Ah non, c'est bon, il est là. Ok, donc il gère. Très bien. Enfin, j'espère, hein. Tout à l'heure ça a cramé et on pouvait plus. Oui. Snakes and ladders. Very bad reliability. Très bien, un plaisir. Et. Oh! C'est énorme. Ah non, c'est bon. Ça passe juste. Hop. Voilà. Et donc ça c'est quoi du coup? C'est pour... Ok, il n'y a aucun fun, enfin pas beaucoup. Et c'est extrêmement fragile, enfin ça va vite nous casser entre les doigts. Donc, un plaisir. D'accord, c'est un serpent qui... Ok. Tu t'en souviens? Moi j'en ai aucun souvenir. Dans le sens, il n'y a pas grand chose dont je me souviens. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué et du coup... J'avais pas vu que la personne tombait dans la bouche et après c'était un grand toboggan. Ah ouais. J'avais pas vu ça. Oh, elle est bon. Bonus de 5000, bonus de 5000, pas de bonus. Technologie de mon ride est pauvre ici. The right complement is bad. The people, c'est qui? C'est les employés? Ah non, c'est les gens. Enfin, c'est les... Ouais. On va baisser un petit peu de moitié ceci. 97. Si je dis... Oui, si c'est ça, je crois que c'est ça. Donc, Staff Training, on peut. Et puis on... Ah, il est déjà en... Bah voilà. Bah voilà, c'est le plaisir du serpent. Il est nul, il est pas résistant, donc... Donc il va cramer tout le temps. On a peut-être plus de... Ouais, on a pas de commande en route. Ça va être short, je pense, au niveau des stocks. On va améliorer notre staff, et puis après on va... Plus personne n'est content. Ah, je croyais que c'était 97. C'est quoi que c'était en 97? Ah ouais, 94 sur Amiga et DOS. Ok, je crois que c'était 97. C'est quoi qui était sur 97? Je sais plus, j'ai eu 97 tout à l'heure, j'ai fait des recherches. C'était un truc avec Peter Molyneux, mais je sais plus ce qu'il a fait avec 97. Ah oui, c'est un vieux truc. Ouais. Quand il faut pas... Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on peut aller aussi bas, sachant que... Ah, t'as cru. Sachant qu'eux n'iront jamais aussi bas. Ça, je comprends pas. C'est quoi l'intérêt? Est-ce qu'il y a un jour, il y a le... Le syndicat va accepter d'aller...
à très très peu de dose de salaire, je pense pas. C'est dégueulasse. Et j'imagine que mes deux. Ils sont où mes gars qui font le nettoyage là? Allez. Oui, j'ai augmenté parce que j'avais pas envie de refaire d'autres négociations, mais ils abusent. Ils veulent pas aller à gauche. Ah, c'est bon. Il est là. Ok, c'est bon, là ça va être propre. Ça c'est ok. Genre pas de... Non. Une nouvelle attraction, bah on a déjà une. Staff training, on va arriver au bout. J'augmente un peu pour que ça aille vraiment plus vite. Bingo et ouais. Oui. C'est vrai qu'il est sympa celui-là, il a un peu la classe par rapport aux autres. On est comment au niveau de la formation? Oh, ça va pas très très vite. On va upgrade. On va diminuer quand même un peu. On va upgrade ça, on va améliorer donc nos attractions tout simplement. Vu qu'on a une note, enfin on a une appréciation plutôt négative sur la qualité, sur la technologie utilisée pour nos attractions, donc on va essayer d'améliorer tout ça, histoire que bah, des trucs comme peut-être le serpent là, on va pas cramer tout le temps. On va essayer. Ah oui, j'étais en train de me dire, on a monté à 38K, mais j'ai juste fait un prêt de 50 000. On est comment au niveau des trucs? Parce que je n'en ai pas fait depuis longtemps des commandes. Ouais, on va en faire vite fait. Mine de rien, les commandes, c'est un peu ce qui nous fout dans le mal. Parce qu'à hauteur de 3, de ouais, 7, quasiment 10 000 à chaque commande pour les trois types de bouffe, ça fait beaucoup. Et ça fait très très mal dans le budget. Safety record. Ah, il va peut-être falloir qu'on embauche un gars, c'est ça? La sécurité, elle est moyenne. Donc on n'a pas de bonus. La popularité est bonne, donc on a un bonus. Et ici, tout est... Voilà, cette technologie est pour. Ride complement is bad. Et... D'accord, donc c'est nul. Donc, on va embaucher un gardien pour avoir plus de sécurité. On va le mettre de l'autre côté. Ensuite, est-ce qu'on en montrait pas un petit peu, je sais pas. Bingo Highway. Ah oui, d'accord, ça c'est les parts de chaque. Plutôt qu'avoir une monnaie, tout buy this share. Ah. Est-ce qu'on aura un bug du jeu? Allô? Non! Bon, en mettant il est minuit. C'est pas voulu. Bon. Le jeu vient de planter. On va arrêter là, du coup, de toute façon, il est minuit, c'était l'heure d'arrêter. Je viens de terminer là-dessus. Merci YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, bon, on aura pas mal galéré. Le jeu est très dur, hein, vraiment. Là, il est en easy. Hein.
Dites-vous qu'il est en easy au niveau de start value, je sais pas quoi. Donc voilà. Merci en tout cas à YouTube d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Des bisous. Ciao, ciao.